quoi grignoter, Jimmy. Tu as faim? Jimmy? Jimmy? Et maintenant, voici votre série préférée, Amour, déboire et futilité. Oh, Blair, je ne sais pas comment te l'annoncer. Cette fois, ça y est, le diagnostic est confirmé. C'est certain, j'ai des pellicules. C'est trop triste, le pauvre. Il faut que tu sois fort, Clay, courage. La recherche a fait des progrès. Il y a des shampoings spéciaux maintenant. Normie, qu'est-ce que tu fais? C'est notre feuilleton préféré, tu rallumes. Elle est nulle, votre série, j'ai pas envie de la regarder. Et puis c'est l'heure de zooner. T'auras pas de goûter si tu me donnes pas immédiatement cette télécommande. Attention, hein. Non, même pas vrai, tu dois être gentil avec moi. C'est ma mère. Il a dit à Tante Stella. Oh, je commence à en avoir assez. Casse-t-il. Tante Stella, Tante Stella, au secours. Clover veut me taper. Clover, que fais-tu à Normie? Tu le lâches. Mais c'est lui qui... Elle me déteste, j'ai peur d'elle, Tante Stella. Oh, c'est une honte, une chose pareille. Si tu ne fais pas d'effort avec ton petit cousin, je vais devoir te punir, tu es prévenue. Qu'est-ce que tu dis? J'hallucine! C'est lui qui mérite une punition! Fallait pas répondre ça, erreur de tactique. Les représailles vont être immédiates. Bon, Clover, monte faire tes devoirs. Ils sont déjà faits. Oh! Alors va faire la vaisselle. Je l'ai faite aussi. Dans ce cas, va faire la lessive. Tout est lavé, repassé, plié, rangé. Tu devrais la priver de sortie. Oh! C'est la meilleure, moi, me priver de sortie? Oui, Clover, parfaitement. Tu sais qu'on ne répond pas sur ce ton. Tu es privé de sortie, c'est officiel. Quoi? Tu ne mettras pas un pied hors d'ici pendant 3 jours, si ce n'est pour aller prendre tes cours, et je ne veux plus t'entendre. Vous êtes prêts? Oh, j'en viens pas d'avoir été punie comme si j'étais une gamine. Ça m'était pas arrivé depuis que j'ai 12 ans, c'est dingue ça. Mademoiselle, je me réjouis de vous voir. Désolée, Jerry, je ne peux pas me permettre. Une importante série de disparitions d'enfants frappe notre ville. Nous avons besoin de votre aide pour savoir ce qui se passe et qui se cache derrière cela. Nous n'avons qu'un seul indice. Un émetteur pirate utilisait la fréquence de la chaîne de télévision familiale dans chaque foyer où un enfant a disparu. Il appartient à un roi des médias, Lewis Hightower. Il est hyper connu. J'ai lu pas mal d'articles sur lui. Apparemment, il aime faire la couverture des magazines. On va commencer par se renseigner discrètement sur lui. Vous aurez besoin de vos procédures et du vaporisateur de parfum Reine des Glaces. Waouh, que cette bague est jolie. J'adore le style rétro. Elle a bien d'autres qualités, Alex. Pointez-la devant vous et appuyez sur la face cachée de l'anneau. C'est plus exactement un hologramme de vous que la bague a projeté après vous avoir mémorisé. C'est sympa. Bonne chance, les filles. Monsieur Hightower, nous sommes journalistes au magazine Salut les ados. Je suis Sam et voici Clover et Alex. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de nous recevoir. Mesdemoiselles, soyez les bienvenues. J'ai toujours du temps pour les interviews. Vous envisagez de mettre ma photo en couverture? Oui, absolument. Justement, à propos de la photo, mieux vaudrait vous montrer assis à votre bureau avec quelques papiers en main. Comme si vous travailliez. Vous êtes l'image de l'exigence et de la réussite. Oui, tout à fait. Je suis l'image de la réussite. C'est l'objectif spécial pour les photos en intérieur, Alex, hein? Ah oui, bien sûr. Mais où avais-je la tête? Allez-y, feuilletez vos papiers, monsieur Hightower. Ça fera beaucoup plus naturel. Je crois que nous avons ce qu'il nous faut dans la boîte. Merci de votre patience. De rien, j'ai toujours aimé poser. Et maintenant, vous allez me questionner sur Zooneland. Zooneland, c'est l'émission stupide que mon petit cousin regarde tout le temps. Ah. Je veux dire, l'émission stupéfiante, cool. Votre petit cousin n'est pas le seul. Tous les enfants adorent Zooneland.
Et voici le nouveau casque Zuney. Les enfants sont complètement fous. Ils se l'arrachent. Oh. Désolée, monsieur Hightower, je n'ai pas réussi à l'en empêcher. Papa, t'avais dit qu'on déjeunerait ensemble aujourd'hui. Jason, il me semble t'avoir dit de ne jamais me déranger pendant une interview. Maintenant, Phil, on verra ça la semaine prochaine si j'ai du temps. Ma secrétaire t'appellera. Oh. À côté de lui, ma mère est vraiment un ange. Ça me dégoûte d'avoir serré la main de ce type. Ça me donne envie de passer sous la douche. Ou dans une station de lavage de voitures sans voiture. Vous avez vu comment il traite son fils? Oui, en parlant de ça, on ferait mieux de remplir cette mission avant que ma mère ne s'aperçoive de mon absence. Ou je vais être mal, moi. D'accord, Clover. Commençons par faire des tirages des photos prises par Alex. Quelque chose me dit que ces documents vont nous mettre sur la bonne voie. Par un invisible bouclier technologique. Quelqu'un ne doit pas avoir envie qu'on fouine dans les parages. Mais nous, on est têtus. À terre! C'est quoi ça? La transmission d'une émission pirate. Je vais essayer de localiser le signal avec mon com poudrier. L'analyse. On ferait peut-être mieux de lever l'ancre avant que ces mini-ninjas ne descendent pour nous achever. Moi, je préfère encore me battre avec eux que d'affronter ma mère. J'ai cru entendre des voix, Clover. Tu n'étais pas au téléphone, au moins. Comment veux-tu que je sois au téléphone? Tu me l'as confisqué? J'ai un casque de Zuney, et pas toi, À ta place, je fermerai ma bouche avant que les mouches ne s'y installent. Zuney! Vous allez devoir résoudre cette affaire sans moi. J'ai peur de passer le restant de mes jours coincé ici. Oui, Jerry? Bonjour, les filles. Nous avons trouvé l'origine de la fréquence que vous avez envoyée. Elle provient de l'île sur laquelle la parabole est installée. Je suis certaine qu'il doit y avoir une station émettrice souterraine dans cette île. Justement, nous détectons une émission pirate à la minute où nous parlons. Peut-être devriez-vous faire une enquête plus approfondie sur les lieux. Hé, c'est Normie! Normie, où tu vas comme ça? Attends! D'accord, ça va me
faire des vacances de plus l'avoir dans les jambes. Mais il y a un truc qui cloche. Je vous accompagne. Comment tu vas faire? Tu vois quelque chose, Clover? Pas encore. Dommage que je n'ai pas bagué Normie avec un émetteur pendant que je le tenais. Continuons à le chercher. Il n'a pas pu aller bien loin. J'aperçois. Normie est en bas avec une bande d'enfants. Et ils portent tous un casque de Zounet. Elle est bizarre, cette nouvelle mode. Ouais, tu l'as dit. Ces casques reçoivent un signal identique à celui de l'émission pirate. Ils se dirigent vers le quai. Vite, pose l'hélicoptère, Alex. Étrange. On les a hypnotisés ou quoi? Ils agissent comme des automates. Il faut les arrêter. En les empêchant de s'en aller, on perdrait une chance de découvrir ce qui se cache derrière tout ça. On va se faire repérer avec l'hélico. Prenons nos prosulfures. Nos prosulfures? Tu nous l'as déjà faite, celle-là, Alex. J'étais pas loin d'y perdre mon brushing. Vous voyez ce que je vois, les filles? La moyenne d'âge n'est pas bien grande. Mais oui, c'est pour ça qu'on a trouvé si petits ceux qui nous ont agressés près de la parabole. Les mini-ninjas étaient des enfants. Ouais, mais des enfants un peu surexcités quand même. Bienvenue à Zounetland, un monde où les enfants font toujours ce qu'ils veulent. Zounetland est un nouvel univers génial. Et moi, votre chef, je suis génial aussi. N'oubliez pas que toute personne de plus de 12 ans est votre ennemi. Entraînez-vous et préparez-vous pour la guerre contre les adultes. La guerre contre les adultes? Bah dis donc, rien que ça. Il faut remonter jusqu'à la parabole et l'empêcher d'émettre le signal. Réveille-toi. Hé, hey, c'est bon, redeviens toi-même, redeviens un casse-pied comme avant. Oh, des adultes, Zounet! Alerte des adultes! Alerte des adultes! Éliminez-les! C'est tranquille, on est trois et ils ne sont qu'un millier. Vu la situation, une solution s'impose, non? Clover, je veux que tu saches que je ne fais cela que pour ton bien. Tu me remercieras un jour. T'as raison, maman, je l'ai bien cherché. Merci de m'avoir donné une punition si juste et si honnête. Alors, tu en conviens? Je reviendrai, à tout à l'heure. Travaille bien, ma chérie. Méchants adultes, vous allez voir qu'on est les plus forts! On n'est pas des adultes, nous! On est des adolescentes! C'est pas grave, hein, tout le monde fait des erreurs. Bon, détachez-nous et ce sera sans rancune! Non, pas question! Les premiers qui feront exploser une de ces grandes personnes auront un tas de sucreries. Zounet! Exploser? Je ne suis pas certaine d'apprécier ça. Attention, prêt? Ils vont nous noyer! Pas sûr, attends! Ah!
chambre de Boji. Qui t'es, toi? Tu sens d'où? Oh, oh, inondez leur casque de parfum Reine des Glaces. C'est parti. Normie. Hé, hey, Normie. Oncle Lava, t'es pas à la maison? Je vais le dire à ta mère et elle te punira encore plus. Je sais pas si je dois être contente, mais Normie est redevenu lui-même. Il faut arrêter l'émission pirate avant que ces petits ne fassent de nous des poignées de confettis. Montez et essayez d'interrompre la transmission. Moi, je vais chercher ce mystérieux Zuné. Génial. En plus, faut faire de l'escalade. Tu crois pouvoir me vaincre, mais tu te trompes. Tes amis et toi, vous allez bientôt être anéantis. T'as peur, sinon pourquoi te cacherais-tu? Jason, mais tu n'as pas pour autant le droit de te venger sur tous les adultes. Si, je fais ce que je veux. Et attends un peu. Bientôt, grâce aux paraboles que j'ai installées dans tous les pays, j'émettrai mon signal hypnotique sur toute la Terre. Il va faire une de ses têtes, mon père, quand il verra le taux d'audience de Zuneland. Mais moi, ce sera un monde réel, pas seulement une série idiote. Toi, tu as besoin qu'on t'apprenne le respect. Mêle-toi plutôt de ce qui te regarde. C'est toi qui as besoin de prendre une bonne leçon. Sinon quoi, hein? Tu iras te plaindre de moi, ton papa. En fait, ça m'étonnerait. On touche au but. Enfin, je commençais à en avoir assez de cet engin. Sam, excellent travail. Merci, Jerry. Vous devez des excuses à quelqu'un, me semble-t-il. Jason, je m'en veux de m'être montré aussi dur avec toi. Et si on allait s'amuser ensemble dans un parc d'attractions pour oublier ça? Oh ben, j'ai un planning chargé, tu sais. Ma secrétaire t'appellera, d'accord? On dirait que Monsieur Hightower change de priorité. Oui, c'est une bonne chose. Vous serez bientôt auprès de vos mamans. Ne vous faites pas de soucis, les petits. Ramène-moi à la maison, Clover. J'ai faim et je vais tout raconter à Tante Stella pour qu'elle te gronde. Tu me prêtes ton comme poudrier? Le mien est dans ma chambre. Qu'est-ce que tu fais, Clover? Je me connecte sur la fréquence hypnotique que Sam a envoyée à Jerry. Elle est sûrement stockée dans les bases de données du goût. Normie, tu vas effacer de ta mémoire tout ce que tu as vu aujourd'hui, c'est entendu? Je suis restée enfermée dans ma chambre toute la journée. Allons-y. Tu sais, Clover, je suis agréablement surprise que tu aies pris sur toi pour ne pas me désobéir de toute la journée. Oh, maman, c'est normal. Quoi qu'il en soit, j'apprécie. Et pour te montrer à quel point je suis fière de toi, je lève ta punition. Super! Et encore une faveur, je te permets d'emmener ton cousin Normie jouer dans le parc. Ah, c'est trop gentil. Tenez, les filles. Si vous voulez autre chose, j'y retourne.
Non, merci, Normie. Va plutôt t'amuser un petit peu. D'accord, Clover, merci. Je t'aime beaucoup. Ça, j'en suis sûre. Alors, combien de temps tu comptes le laisser comme ça? Pas trop longtemps. En fait, je n'irai pas au-delà de ses 15 ans. Et tu penses qu'en attendant, il peut apprendre à faire des massages de pieds? Oh, c'est dur, l'espionnage et les orteils tout noués. J'espère que votre cellule vous plaira, professeur, parce que votre séjour risque d'être très long. Pas sûr, nous verrons ça. Non, non, non. Non, tiens, va y prendre ça, sale extraterrestre. Ah, ah non, c'est impossible. Ils n'ont pas pu m'éliminer, j'avais l'arme la plus puissante. Bonjour, Jerry. Ça va, mon vieux? Très bien, monsieur le président. Que me vaut le plaisir? Sommes-nous en situation de crise? De crise? Grâce au ciel, non. J'appelle sur la ligne rouge, car c'est la seule qui est l'option main libre. Tiens, regarde. Impressionnant. Merci. Jerry, tu ne veux pas faire une partie de pêche avec moi ce week-end? On en profitera pour parler de ton transfert dans les services présidentiels. Vous m'octroyez un poste à la Maison-Blanche? Exactement. Oh. Prends un avion et viens vite me rejoindre à Washington. Bien, à votre service. Oh, mais j'y pense, encore un petit détail. On est redoutable dans la catégorie achat vestimentaire, pas vrai? Quelle équipe de choc! Ouais, on est venu, on a vu, on a vaincu, les bacs à sable ont été terrassés. On fait une petite pause? Ouais, d'accord, faisons une petite pause photo avant le deuxième assaut. Montrez-vous à votre avantage, surtout pas de grimace. Bonjour, mademoiselle. Avez-vous fait bon voyage? Ah, super, d'être aspiré par un conduit d'aération est le moyen de transport qu'on préfère. Déposez-moi tout de suite chez le coiffeur. Ça devra attendre. J'ai besoin de vous pour une mission d'une importance majeure. Le président et moi avons une partie de pêche. Une partie de pêche? Ça, c'est sûrement un code secret. Non, n'y voyez aucun mystère. Le président a un chalet au bord du lac. Il m'y a invité pour discuter d'un poste à la Maison-Blanche. J'ai peut-être les neurones en panne, mais quel rapport y a-t-il entre le fait que vous alliez pêcher, une importante mission, et nous trois? Le président voulait trois de mes agents les plus sûrs pour veiller à la sécurité de sa fille Madison pendant son absence. On va faire du babysitting? En fait, c'est une façon de voir un peu élémentaire, mais cette mission est extrêmement importante pour moi. Enfin, on sera à la Maison-Blanche et je doute qu'on doive se battre pour mettre une petite peste au lit. Absolument! Vous allez quand même nous donner des gadgets? Oui, les voici. Alors vous aurez les accessoires suivants. Le parapente portable à épaules rembourrées. La ceinture bungee à câble extensible, la bave zirconium à radio-balise et les grenades lance-filet. Bien, vous voilà équipés. On ne fait pas attendre la Maison-Blanche. Ça va? On aurait dû téléphoner avant de débarquer. Le bureau, il est très rond. Mais non, regarde, il est ovale. Tu devrais revoir ta géométrie, Alex. Qu'on mette un cobra dans ma poche et qu'on me demande une allumette. Comment vas-tu, mon poussin? Très bien, merci, monsieur. Mon poussin? Je comprends pas. Moi non plus, je vois pas le rapport entre un cobra et une allumette. Vous pouvez disposer, Nussfeld. Bien, patron. Monsieur le président, voici trois des meilleurs agents du Whoop. Je vous présente Sam, Clover et Alex. Salut, les filles! Papa! Hein? Et moi, je vous présente ma fille Madison et sa gouvernante, Madame Quivers. Bonjour. Mon père m'a dit que vous voyagez beaucoup pour sauver le monde. Alors, je vous remercie de ce que vous faites pour nous. Oh, c'est rien. C'est si peu de choses. Nous vous laissons, jeune fille. Je me permets d'enlever Jerry, car c'est la saison rêvée pour le goujon. Madame Quivers vous expliquera. Voici le programme à respecter pour l'après-midi de Madison. Il inclut son programme de loisirs, le programme de ses programmes. Tout y est consigné. Pourriez-vous rester une petite heure pour voir si nous nous en sortons?
Désolée, c'est mon jour de congé, j'en profite. Et voilà, Maddy, on est seul. On attaque par le programme du déjeuner. Garde-les, tes programmes. J'ai pas envie de les suivre. Et je vais pas obéir à trois nièces qui débarquent d'une banlieue de Los Angeles. C'est la même petite fille que tout à l'heure ou elle vient de se transformer en esprit démoniaque tout à coup? Hé, attention à ce que tu dis. On ne vient pas de banlieue, on habite Beverly Hills. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Suivez mes règles si vous voulez garder votre travail. Le mot d'ordre est fichez-moi la paix et je vous ficherai la paix, d'accord? C'est clair? Gentille. Eh ben, je sens que ça va être une vraie petite partie de plaisir de s'en occuper jusqu'à ce soir. Non, arrête, Madison! On ne mange pas de glace avant le déjeuner! Oh, oh. Bon, d'accord, prends-la. Je vais lui apprendre à se tenir, moi. Bah, peut-être que c'est nous qui devrions nous calmer un peu. Elle n'a que 11 ans. Franchement, si c'est ça, les enfants, j'enverrai les miens à l'école militaire juste après la maternelle. Ouvre, Madison! Ouvre, Tati Sam! Elle voudrait te dire deux mots. Excusez-moi, c'est la mauvaise porte. C'était à côté. Félicitations. Bien pensé, les programmes. Ouvre, Madison, chérie. Ouvre, Tati Sam. Elle veut juste te dire deux mots. Je vais me fâcher. Tu veux pas qu'on discute? Sois gentille. Y'en a assez. Ouvre immédiatement cette porte ou on l'enfonce. Je compte jusqu'à trois. Un, deux. Ah, désolée. Pas la peine de vous mettre en colère. Je voulais juste m'amuser. Je m'amuse pas très souvent, vous savez. C'est toujours Madison fait ci et Madison fait ça. Vous êtes pas à ma place. Vous pouvez pas comprendre. Vous êtes tombé dans le panneau de l'enfant malheureux. C'est nul. Quoi? J'y crois pas. Cette petite peste s'est payée notre tête. Ça va mal aller pour elle. Le manque de respect, ça mérite une grosse punition. Un problème, mesdemoiselles? Accès refusé. Coup sur la porte de la chambre. Accès refusé? Oh non. On pourrait entrer si on voulait. Eh bien, justement, on ne veut pas. Non, parce que... on se disait que Madison avait besoin de tranquillité. On va préparer son repas. La cuisine présidentielle. Bon, voyons ce qu'il y a dans ce placard. D'accord, je m'attendais pas exactement à ça. On pourrait peut-être faire des petits gâteaux. Oh, des petits gâteaux au chocolat, j'adore. Mais pour les offrir à Madison, il n'y a pas mieux pour faire la paix. Tu aimerais faire la paix avec ce monstre? Mais pourquoi? Cette petite a une vie si difficile. Tout ce qu'elle fait est réglé à l'avance. Des agents secrets la surveillent tout le temps. Même ses babysitters travaillent pour le gouvernement. D'accord, mais si elle nous fait une autre farce, j'écrabouille les gâteaux et je la barbouille avec. Madison, s'il te plaît, cuire d'excellents petits gâteaux et on voudrait se réconcilier. Ben, c'est réussi. Madison, qu'est-ce que tu as? Où est-elle passée? Fille du président ou pas? Si tu nous joues encore la comédie... Je suis... pour occuper l'araignée pendant que moi je récupère Madison. Entendu. Allons-y. Activez vos parapentes portables. Remplis-moi d'humilité pour que tous les bâtiments officiels aient des pelouses matelassées. Venez. Me suis l'approche, vite, faites comme si de rien n'était.
Quelque chose ne va pas? Tout va bien. Ah, c'est top. Mais merci quand même. Pas de demande de rançon. Alors pourquoi enlever la fille du président? Pauvre petite Madison, regardez, sa seule distraction c'est Internet. Elle était sur un forum de discussion. Et bien sûr, voyons si... Pourquoi écrire une demande de rançon quand il suffit de... Monsieur le président, j'irai droit au but. Si vous voulez revoir votre fille, il faut que le détenu portant le matricule 34-343, actuellement à la prison de haute sécurité du Maryland, soit au sommet du monument de Washington dans 2 heures exactement. Papa, s'il te plaît, vite! Oh! C'est ça, papa. Dépêche-toi. On peut demander à Nussfield d'avertir le président? Pas question, ou Jerry n'aura pas de promotion. C'est moi, agent Nussfield. Oui, une minute! Désolé, je n'attends pas, le président est en ligne. Où est Madison? Elle est dans la salle de bain, mais chut! À 11 ans, on adore se maquiller en douce. Je vais le prendre. Monsieur le président, c'est Sam. Alors, sa mort? Si, sa mort! C'est la partie de pêche du siècle! Les seaux sont pleins! Enfin, le mien est rempli à rabat. Ma fille va bien? Dites-moi, j'espère qu'elle ne vous cause pas d'ennui. Oh, vous plaisantez, non, elle... Ah, très bien, quel ennui pourrait nous causer une enfant aussi délicieuse. C'est pas comme si on l'avait enlevée pour une rançon, pas vrai? Quoi? Rien, profitez bien de votre week-end, bonne pêche. Chef, on vous demande en bas, une chose tombée du ciel s'est écrasée dans la bibliothèque. Vous, ne bougez pas. Promis, on reste là. Venez, il faut retrouver Madison avant qu'il réalise qu'elle a disparu. Comment on va faire? Le ravisseur veut l'échanger contre un prisonnier. Et alors, pas de problème. Sam, qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? De quoi se déguiser? Une tenue qui fasse croire au ravisseur que l'une de nous est son prisonnier. C'est pas mal, ça, non? Pour un bal costumé, effectivement, c'est pas mal. Allez, viens, continue à chercher. Ils sont là, allons-y. Il fallait que ce soit en haut du monument, bien sûr. On pouvait pas échanger les prisonniers au rez-de-chaussée dans une boutique de souvenirs. Ça aurait été trop simple. Une seconde! La fille du président, où est-elle? Vous la trouverez à l'étage du dessus. Moi, je redescends tout de suite avec mon ami. Ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est très mal parti pour toi. Il faut rejoindre Madison avant lui. Encore des escaliers à monter, génial. C'était à deux doigts, on a eu de la chance. Couchez-vous. Il fut un temps où faire du babysitting était plus calme qu'aujourd'hui. On parle pas. En plus, on a perdu la petite. C'est pas si sûr. Sur le ravisseur pendant qu'on se battait dans l'escalier. On n'a plus qu'à suivre le signal. Il se dirige vers le nord de Pennsylvania Avenue. Allons-y. C'est là. Le traceur bip comme un malade. Bon, à trois, on défonce la porte. Une, deux, trois. Oh, mais...
Mars, que faites-vous ici? On a mieux à faire que la conversation, Clover. Mettons-la à l'abri avant que le ravisseur n'arrive. Je pense qu'il est trop tard pour ça, ma chère. Parce que le ravisseur, en fait, c'est moi. Amenez Madison. C'était facile pour vous. Un enlèvement à la Maison Blanche. Vous étiez déjà sur place. En revanche, le rapport avec le détenu m'échappe. Le prétendu savant fou incarcéré au pénitencier se trouve être mon mari. Votre mari? Oui. Et je n'ai pas envie que le père de mes enfants passe le reste de sa vie dans une cellule. Pour tout vous dire, Madame Quivers, c'est une couverture. Je suis un membre du fameux gang Svetlander. C'était le groupe de contre-espionnage qui menaçait de détruire la planète en truffant d'explosifs les lignes de faille qui séparent les 5 continents. Exactement. Nous étions à un cheveu d'avoir le monde à notre merci en le prenant tout entier en otage. Ça fait mal d'échouer. Mais votre mari fait à peine la moitié de votre taille. Ma chère, vous savez, on ne compte pas lorsqu'on aime. Oh, qu'est-ce que c'est touchant. Malheureusement, votre intervention m'a contrainte à modifier mon plan et à contacter directement le président. Robbie, Bobby, allez-y, activez la cage. Je regrette, mais elles m'y ont vraiment obligée. Ah, j'allais oublier. Merci de m'avoir remplacée, ça m'a bien aidé. J'ai passé une merveilleuse journée. Oh, génial, on va être transformés en gruyère. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, cette cage nous est tombée dessus du plafond, non? Oui, et alors? Au cas où la chose t'aurait échappé, elle est trop lourde pour qu'on arrive à la soulever. On n'a pas assez de force, ça c'est sûr. Mais le câble bungee, je pense que si. Vite, faites comme moi sur les autres côtés. Visez très haut avec les boucles. Attention, faites... feu! Vite, écartez-vous! Forte en physique, mais bravo pour les travaux pratiques. Ouais, merci. Mais comment arriver au lac avant Madame Quivers? On devrait peut-être appeler Jerry. Parce que tu aimerais que le président apprenne qu'on n'a pas été à la hauteur de notre mission? Je crois que j'ai une idée. Exceptionnelle. Elle fera date, c'est une espèce très rare. C'est au moins du 44, mon vieux. Monsieur, peut-être pourrions-nous nous arrêter là. Et aussi téléphoner à la prison du Maryland pour faire libérer le détenu 34-343. Que faites-vous là? Je vous croyais en congé aujourd'hui, Madame Quivers. Oh. Pourquoi venir nous rendre visite? Si je suis venue, monsieur le président, c'est pour vous réclamer la rançon de votre chère fille. Alors appelez la prison où Madison finira au fond du lac. Mais enfin, je ne comprends pas. Ce n'est pas nécessaire. Contentez-vous de prendre votre téléphone cellulaire et appeler tout de suite. Exécution. Vraiment, je suis confus, monsieur. Mes agents auraient dû empêcher cela. Allô? C'est le président. Passez-moi le surveillant-chef Jenkins à la prison du Maryland. C'est urgent. Jenkins, écoutez. Je veux que... Parce que c'est moi qui ai eu la plus grosse pièce, président. Tout va bien, monsieur le président.
Très bien, ma fille et moi sommes frais comme des gardons, grâce aux Spies et à ce bon vieux Jerry. Si je puis me permettre, que diriez-vous de rentrer à la Maison Blanche pour déguster ce que vous avez pêché? Quel honneur, merci beaucoup, hein? Mais franchement, ce n'était pas la peine. Ce n'est pas mon avis. Quand on risque sa vie pour ma famille, on a droit à un coup de chapeau. Je veux que ça se sache, personne n'y échappe. Je voudrais m'excuser pour la façon dont je me suis comportée avant. Je me suis trompée sur vous, les filles. Vous êtes géniales. Merci. T'es super aussi, je trouve. Au fait, monsieur le président, à propos de mon transfert dans un de vos services... Oh, je sais où tu veux en venir, Jerry. Et tu as raison. C'est vrai, priver le Whoop de ta présence serait une erreur pour la sécurité de tous. C'est pourquoi j'accepte le retrait de ta candidature. Vous y renoncez. Merci, monsieur. Merci infiniment. Il faut que je vous quitte. Maddy et moi devons chercher une nouvelle gouvernante. Je suis navrée. Je sais combien vous teniez à ce poste, Jerry. On est désolé, mais on est ravis de vous garder comme patron aussi. Les filles, après vous avoir vu à l'œuvre, je me félicite de ne pas céder ma place à un autre. Oh, Jerry, on vous adore. Équipes sont priées de se mettre en place. Le match va commencer. Foot de rue extrême. Mardi. J'ai découvert quelque chose de nouveau. De nouveau? C'est la catastrophe. Si c'est nouveau, c'est mal. À quoi ça sert de vivre comme on vit? Sortir de leur caverne pour découvrir le monde, ils n'y avaient jamais pensé. Je t'explique, le monde est fini. Quoi? J'appelle ça la fin. Mais un événement... va tout changer. Oh, faut vraiment que vous voyez ça, regardez. Les voilà obligés de faire un bond géant dans la préhistoire. Je peux vous aider? Mais il va falloir changer deux ou trois tours. Une aventure qui va les faire radicalement changer d'air. Les Croods font leur révolution. Mardi 21h sur Gulli. C'est la team.